place. Gabriel, achetez-lui mon petit démon. Descends de ta cachette tout de suite, tu vas voir, je vais te le faire avaler ton slingshot. Descends tout de suite de ta cabane ou je vais chercher ma chainsaw puis je coupe ton arbre. Hey, wow, wow, wow! Hey, je trouve que t'exagères un petit peu, Gaétan, là. J'ai pas lancé un cocktail Molotov sur ta maison, j'ai juste envoyé une petite roche derrière ta tête, là. On s'accalme, on respire. La minute que j'ai fini de t'étrangler, je devrais me calmer. Ah ouais, descends de ton arbre tout de suite! Bon, ok, ok. Vu que tu fais pitié un petit peu, je vais faire un deal avec toi. Écoute bien ça, là. Je te promets de ne plus viser ta tête jusqu'à mercredi prochain. Ben, jusqu'à vendredi d'abord. Hey, qu'est-ce que tu vas faire dans ton garage? J'ai bien eu, vous avez eu peur pour de vrai. Franchement, Gaétan, je trouve que ton sens de l'humour laisse à désirer. T'es pas très mature pour ton âge. C'est lui qui le dit, c'est lui qui l'est. Je suis pas mature. Je vous ai eu. Nanananana. Je vous ai eu. Nanananana. C'est pas bien de faire ça. Gros, c'est la pure vérité. Ah, je vous le dis, moi, je pense qu'il est bipolaire. Moi aussi. Arrête. Depuis que t'as ton slingshot, tu le prends toujours comme cible. C'est normal qu'il finisse par s'énerver. Faut bien que je vise quelque part pour me pratiquer. Hey, regarde, Gabriel! Tu vas pouvoir te pratiquer avec tes nouveaux voisins d'en face. Ça va dans le salon à côté du foyer. Elle partra de la pitoune, c'est où tu veux? Un peu de respect! La comtesse Tatiana Romanov n'est pas une pitoune! Gros donneré! Hey, Jeff! Le gars, il me traite de gros! C'est super blessant. Oublie ça, gros, là, puis viens m'aider. Je peux pas lever ça tout seul. OK. Ah, il a vraiment l'air bizarre, le monsieur. Il ressemble à un serviteur qu'on voit dans les films d'épouvante. Ouais, genre le serviteur de Dracula. Cette affaire-là, tu le veux où? Dans la cave. Et allez-y doucement. C'est très fragile. Hey, vous avez vu? C'est un cercueil! Ils ont entré un cercueil dans la maison! Notre nouveau voisin est un vampire! Hey, capotez pas, là! Ça existe pas, les vampires! Tout le monde sait ça! Même moi! Mais pourquoi il y a un cercueil d'abord, hein? Pourquoi? Ça peut pas être un vampire, le monsieur! C'est impossible, parce qu'il fait soleil! Puis les vampires sont supposés se carboniser quand il fait soleil! Hey, tain! Tu vois, ton voisin, c'est pas un vampire, c'est juste un gars bizarre! Ah, y en a des gars bizarres sur la terre, là. L'autre jour, mon grand frère m'a montré un gars sur l'Internet, il mangeait des vers de terre. Des vers de terre? Ouais! Des vers de terre! Ouais! Moi, faut que j'aille souper. Salut, là. On se voit demain à l'école. Attends, Hugo, je viens avec toi. Bye, Gabriel. Bye, Samuel. Bye-bye. Bye. Le problème avec Gabriel, c'est qu'il a beaucoup trop d'imagination. Ouais. Il essaie toujours de nous faire croire à des affaires qui se peuvent même pas. Comme l'autre jour, il m'a dit qu'il avait des œufs d'araignée dans le gomme ballon.
C'est tout démenti, pas vrai. Il n'y a pas deux d'araignée dans gomme ballon, mon grand frère me l'a dit. Excusez-moi, les enfants, mais auriez-vous la gentillesse de venir m'aider à déplacer un petit cercueil de rien du tout? Ça ne va prendre qu'un instant. Allez, j'ai de la pizza puis des chips au ketchup. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Et là, il y a de la pizza puis des chips au ketchup. Allez! J'arrive, monsieur, j'arrive! Moi, j'y vais pas parce que j'ai pas le droit de manger des chips et de la pizza avant le souper. Puis j'ai aussi pas le droit d'entrer dans la maison d'un monsieur que je connais pas. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ah, rien. C'est une blague qu'on m'a contée ce matin, puis je viens de la comprendre. OK. Mange-la! Hey, t'es même pas gay! Mange-la! Allô, Chloé? As-tu des nouvelles de Hugo? Il était pas dans l'autobus ce matin. Pour moi, il est malade d'avoir trop mangé de pizza pis de chip au ketchup. Mais de quoi tu parles? La dernière fois que je l'ai vu, il entrait dans la maison de ton nouveau voisin super bizarre pour l'aider à déplacer un cercueil. Par ton nouveau voisin super bizarre, il a offert de la pizza pis des chips au ketchup. Mais moi, j'y suis pas allée parce que moi, j'ai pas le droit. Quoi? Hugo est entré dans la maison du vampire! Arrête de dire ça, ça existe pas les vampires! Suis-moi, Samuel! Hugo est peut-être en danger! Faut sauver Hugo! Faut sauver Hugo! Les vampires, ça mange pas de la pizza pis des chips au ketchup! Où ça, des chips au ketchup? Qu'est-ce que t'as fait de mon ami, grosse tête de cacahuète? On veut voir Hugo! On veut voir Hugo! Un instant, de quoi vous parlez? Et vous êtes qui, vous deux? On était voisins d'en face et on t'a l'œil, démon de la nuit. Démon de la nuit! Démon de la nuit! Pardon? Hey, essaye pas de faire l'innocent, là. On te veut entrer un cercueil dans ta maison. On sait que t'es un mort-vivant soifé de sang. Puis on sait aussi qu'Hugo, notre meilleur ami, est disparu après avoir entré dans ta maison. Vous êtes vraiment mignon. Vous parlez sûrement du gentil jeune homme qui m'a aidé à déplacer un meuble hier en fin de journée? Oui! T'es mieux de pas l'avoir bouffé face de sangsue parce que j'appelle la police. On va appeler la police! On va appeler la police! Votre charmante amie n'est resté que quelques minutes avant de retourner chez lui. Et non, je ne suis pas un vampire assoiffé de sang, comme vous le dites. Ah ouais? Je ne suis que l'humble serviteur de la comtesse Tatiana Romanov qui vient d'acheter cette magnifique résidence. Une comtesse? Oui. Une femme d'une grande beauté un peu excentrique. Mais qui adore les petits-enfants. Vous aurez la chance de la rencontrer bien assez tôt. Vous m'excuserez, mes muffins aux canneberges sont prêts. Guétan, Guétan, l'heure est grave, là. Il faut que tu nous aides. Hugo a été kidnappé par les nouveaux voisins d'en face qu'on soupçonne d'être des démons de la nuit, déguisant le monde normal là, pour pas qu'on sache que c'est des démons de la nuit. Mais de quoi tu parles encore? Nos nouveaux voisins, c'est des vampires qui ont capturé Hugo! Ils ont capturé Hugo! Mais quelle imagination! Ils sont savoureux, ces gamins. Gabriel, Samuel, je vous présente notre nouvelle voisine, la comtesse Tatiana. Ah! Vite, Guétan! Lance-lui de l'eau bénite d'en face, plante-lui un pied dans le cœur! Dépêche-toi, là, avant qu'elle se transforme en chauve-souris puis qu'elle nous crabe les yeux avec ses petits ongles pointus! Voilà! Deux Bloody Mary extra tabasco, tel que demandé. Vous êtes trop gentil. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure avec les enfants. Mais voyons, on a tous été jeunes et foufou, mon cher Guétan. Ah, côté foufou, disons que ces deux-là sont une petite coche en haut de la moyenne. Vous allez voir, ils sont pas reposants. Vous semblez bien les connaître. Ouais. Un peu trop à mon goût. Parlez-moi de Gabriel. Non. Parlons plutôt de vous, chère comtesse. Genre, qu'est-ce que vous mangez pour être belle de la mer?
J'ai dit, parlez-moi de Gabriel. Gabriel est un abominable gamin qui rend fou tous les adultes en général, mais surtout ses voisins. Continuez. Mais ce qui le caractérise le plus, c'est que quand il a quelque chose dans la tête, il lâche pas. Il devient un vrai petit démon. Et rien, mais rien peut l'arrêter. Vous exagérez un petit peu, là. Ah que non. C'est un vrai démon qui revient toujours à la charge, encore et encore et encore! Arrêtez-le, quelqu'un! J'en peux plus! Il va me rendre fou! Calmez-vous. Vous allez m'aider à le neutraliser. Oui, maîtresse. Bien, très bien. Qu'est-ce que t'as vu? Bon matin, les enfants. Vous avez bien dormi? Arrière, monstre de l'enfer! On te laissera pas entrer dans notre maison! Arrière! Monstre de l'enfer! Restez calmes, les enfants. Je vais pas entrer dans votre maison. Je viens juste vous porter un carton d'invitation pour la grande fête que la comtesse Tatiana donne ce soir pour célébrer son arrivée dans le quartier. La comtesse organise une fête ce soir? Oui. Et toute la rue est invitée. Manquez pas ça, on va avoir un fond noir. Ça va être l'enfer. Hey, c'est quoi la joke, là? Hey, laissez-moi sortir! Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, oublie ça, Gaétan. Les barreaux sont super solides, puis y a personne qui peut nous entendre. Hugo? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Vous êtes mes nouveaux jouets. Et vous resterez ici jusqu'à temps que je me lasse de vous deux. Hey, ma comtesse de merde! Tu vas nous faire sortir d'ici tout de suite, parce que si je me choque, ça risque d'être l'air titi! Ah oui? Ouais! Hey, vas-y, Gaétan, vas-y! M'en dis de quoi t'es capable à la comtesse de merde! Oui, montre-moi! Ok, tu l'auras voulu! C'est vrai qu'il est là, Titi. Il faut garder votre rage pour la fête de ce soir. Oui, maîtresse. Avez-vous faim? Oui, maîtresse. Soyez patient. Plus tard, il va y avoir un gros festin avec un grand buffet froid. Hey, Rodrigue! As-tu un kit pour détruire les vampires? On veut détruire des vampires! On n'a pas de kit pour ça, le kid, là. Pourquoi tu veux ça? Ben, allume le grand, là, si je te demande un kit pour tuer des vampires. C'est pas pour aller jouer au tennis, certain, hein. On veut détruire des vampires! Écoute, la kid, ça existe pas, les vampires. Aujourd'hui, là, tu vois juste ça dans les films de filles. Ben moi, j'en connais une vampire, pis ça donne qu'elle a déménagé en face de chez nous, pis elle s'apprête à bouffer tout le monde sur ma rue ce soir. Ça fait que ça me prend un kit, là, pis ça presse. Hey, tu me fatigues, la kid, là. Moi, j'ai la job, là. Fais de l'air. Oh! Regarde là-bas! Ils sont ici! On prend des tortillages avec un pot de trempette. Trempette aux fines herbes. Et à l'ail. Non, on va laisser faire la tempête. Je vais presser. C'est elle! C'est la comtesse vampire! Hey, tu capotes, la kid! Pas moyen de voir si mes cheveux sont corrects ou si j'ai quelque chose de poignant entre les dents. Ben, justement, j'osais pas vous le dire, mais vous avez un petit mouton brun entre les deux palettes? Ah non. Ah, ça, j'ai essayé d'avoir un mouton entre les deux palettes, là. C'est beau, là? Oui, il est parti. Bon.
Dis-moi-les, là, quand j'ai quelque chose de croyante les dents, là. Hein? Oui, maîtresse, oui. Ben, tu vois bien que c'est une vampire! On voit pas sa réflexion dans les miroirs! Aïe! Bonsoir. Bonsoir. Oh, bonsoir. As-tu vu? Il y a presque rien à manger. Il y a même pas de trempette. C'est des cheap. Regarde leur meuble. C'est toutes des affaires. Pis ça sent bizarre ici, tu trouves pas? Elles sont pas propres. Non, elles sont pas propres. Pour moi, c'est décanté. Un petit moment, s'il vous plaît. Chers invités, je vous remercie d'être venus si nombreux à ce grand festin pour célébrer mon arrivée dans votre quartier. Un grand festin, mon œil! Et où la bouffe? Y a même pas de bouffe! Mais c'est vous tous, mes chers invités, qui êtes au menu ce soir. Bon appétit, mes enfants. En tout cas, t'es vraiment cool, Rodrigue, de nous aider à détruire ma voisine vampire. Ah, c'est correct, la kid. On peut pas laisser ces créatures de l'enfer prendre le contrôle de notre ville. Faut qu'on fight! Vampire Killer! OK, mais comment on va s'y prendre? Ah, pour ça, on a l'embarras du choix. Wow! Tenez, prenez ça! Ça a une portée de 20 mètres pis c'est rempli d'eau bénite. Pour les vampires, l'eau bénite, c'est comme de l'acide. Ça les brûle. Tu vises la face. Pis c'est super efficace. OK, pis toi, tu vas prendre quoi? Moi, je prends le reste. Aïe aïe! Il y a eu tout un carnage ici. Ben, sont où tout le monde? Vous cherchez quelqu'un en particulier? Qu'est-ce que t'as fait avec le monde de ma rue, démon de la nuit? Approche un peu, je vais te montrer. Mort, maudit vampire! Mais qui vous a dit que je suis un vampire? C'est pas très standard pour les loups-garous ou les vampires, mais c'est très efficace. Dommage, c'est juste un coup. Bien, mes enfants, bien, bien, très bien. Excusez, maîtresse, mais vous avez quelque chose entre les deux palettes? C'est comme un petit mâton brun. Ah non, pas encore. Oh les mains, comtesse de mes fesses! Libère tout le monde tout de suite ou je te brûle la face avec de l'eau bénite! Non, Gabriel, fais pas mal à la comtesse! Hein, pas si pire! Elle veut juste nous vider de notre sang pour nous transformer en vampire! Pense-y! On va pouvoir se transformer en chauve-souris, soirée, week-end, illimité! On va servir la comtesse qu'à la fin des temps, man! Plus besoin d'aller à l'école! Puis je vais rester beau comme je suis pour l'éternité! Joignez-vous à nous, mes enfants! Allez! Venez à moi! Hey, touche pas mon grand frère, mon démon suceur de sang!
mon petit frère, puis retourne en enfer! Après, j'ai libéré le monde qui était prisonnier, puis on s'est tout enfui de la maison qui brûlait. Wow! C'est vraiment ça qui s'est passé? Ben, me rappelle pas trop parce que j'ai été hypnotisé pendant un grand bout. Là. Ouais, on avait plus trop notre tête. Gaétan, mais qu'est-ce que tu fais dans notre cabane? Je te rapporte ton slingshot. Tu l'as échappé en sortant de la maison. Ah, c'est gentil, merci. Mais si je reçois une autre roche derrière la tête, je démolis ta cabane, c'est compris? Un instant, là, je t'ai sauvé la vie, ça fait que j'ai full le droit de te lancer des roches si je veux. On a le droit de te lancer des roches, on a le droit de te lancer des roches. Quand je te pogne, mon petit démon, à me lancer des roches, tu vas voir que je suis pas beau à voir quand je me choque. Ah, c'est vrai ce qu'il dit. Moi, je l'ai vu choquer, puis il est vraiment laid. Hein. Ne vous inquiétez pas, comtesse, j'ai repéré un magnifique petit bungalow à Saint-Hilaire. Ça va être pas mal plus tranquille qu'ici. En passant, vous avez encore un petit mouton brun pogné entre les deux palettes. Ah non, pas encore. Mais il est encore là? Oui, il est encore là.